Je dirais que j'ai jamais été vraiment l'étudiant avec les meilleures notes, mais je pense que j'ai tout le temps travaillé fort pour avoir les notes que j'ai. Tu sais, je pense que même aujourd'hui, j'ai pas vraiment nécessairement les notes les plus élevées, mais je pense que les notes correspondent bien à la charge de travail que je prends. Puis, tu sais, ça, c'est quand même un accomplissement que je suis fier. Je pense que ça vient aussi de mes parents, tu sais, qui m'ont tout le temps appris que dans la vie, c'est important de travailler, que ce soit au hockey, à l'école ou même dans mon emploi plus tard. Fait que c'est un peu dans cette direction-là que je suis présentement depuis que j'étais aux études et que ça a commencé au primaire, au secondaire ou au cégep en ce moment. Pour la personne que j'ai décidé de choisir pour elle, dans le fond, qui m'a aidé tout au long de mon parcours, je dirais que ça serait Marie-Pierre. Après déjà une session en 2019, ses résultats ont augmenté, puis peu à peu, Thomas, son attitude a changé, il est devenu le garçon qui est aujourd'hui. Donc, il s'est découvert une soif de réussir, à toutes les sessions, il y avait 4 cours, il respectait ses échéanciers. Il a terminé ses sessions en même temps que les autres. Il était responsable, autonome. Puis aujourd'hui, ben, il réussit encore. Puis il veut terminer son diplôme d'études collégiales, coûte que coûte. Je pense que les remparts, ils ont vraiment fait un bon travail au niveau de l'école. Puis quand il est arrivé, ben, ça s'est juste vraiment amélioré. Puis je la remercie beaucoup pour ça, puis j'espère qu'elle va rester de longues années avec les remparts parce qu'elle comprend vraiment notre mode de vie qui est assez différent des jeunes de notre âge, puis elle fait vraiment bien ça. Fait. Alors Thomas, je suis vraiment fière de lui, pour moi c'est une réussite. Thomas Caron, c'est une réussite, puis une belle tape dans le dos, puis lui il peut être fier de lui. Bravo Thomas.